Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un nouvel accord qui va venir enrichir notre palette harmonique, déjà constituée des trois accords fondamentaux que sont l'accord parfait majeur, l'accord parfait mineur et l'accord de septième de dominante. Nous allons vous présenter l'accord diminué sous deux formes. Tout d'abord, l'accord de quinte diminué constitué de trois sons et l'accord de septième diminué constitué de quatre sons. Mais commençons tout d'abord par l'étude de l'accord de quinte diminué. Cet accord ne vient pas de nulle part. L'accord de quinte diminué, comme beaucoup d'accords fondamentaux, trouve une origine structurelle dans le phénomène harmonique du son lui-même. En effet, la réunion des harmoniques H5, H6 et H7 fait apparaître la structure de l'accord de quinte diminué. Point important, cette structure en triade apparaît aussi au sein même de la gamme majeure. Nous avions jusqu'à présent porté notre attention principalement sur les accords parfaits. Situés sur le premier degré, l'accord parfait majeur de Do, sur le deuxième degré, l'accord parfait mineur de Ré, sur le troisième degré, l'accord parfait mineur de Mi, sur le quatrième degré, l'accord parfait majeur de Fa, sur le cinquième degré, l'accord parfait majeur de Sol, et enfin sur le sixième degré, l'accord parfait mineur de La. Nous avions volontairement mis de côté jusqu'à présent l'accord situé sur le septième degré de la gamme majeure du fait de sa singularité. Dans le contexte de Do majeur, cet accord de quinte diminuée contient les notes Si, Ré et Fa. Il ne s'agit ni d'un accord parfait majeur ni d'un accord parfait mineur. L'intervalle de triton formé des notes Si, Fa correspond justement à l'intervalle de quinte diminuée. C'est donc en toute logique que cet accord en tire son nom. Écoutons. Si nous partons à présent de Si et que nous calculons la distance en ton pour aller jusqu'à Ré, nous comptabilisons 1, 2, 3 demi-tons, soit un ton et demi, qui correspond à un intervalle de tierce mineure. Pour arriver jusqu'à Fa, il nous faut encore 1, 2, 3 demi-tons, soit un ton et demi, qui correspond là encore à un intervalle de tierce mineure. La distance entre Si et Fa de 3 tons s'en trouve confirmée. Si nous affectons le degré 1 à la note Si, alors l'intervalle formé avec la note Ré sera une tierce mineure, et l'intervalle formé avec la note Fa une quinte diminuée. Ces trois notes réunies forment l'accord de quinte diminuée de Si. Mais pour mieux comprendre le rôle tonal que va jouer cet accord, il est intéressant de le relier à l'accord de septième de dominante, Sol 7, situé sur le degré 5. Écoutons. Nous savons que les notes qui caractérisent l'accord de septième de dominante de Sol est la présence du triton Si Fa. Or, nous savons que ce triton Si Fa fait partie intégrante de l'accord de quinte diminuée de Si. C'est pour cette raison qu'en musique classique, on considère l'accord de quinte diminuée comme un accord de septième de dominante, mais sans sa fondamentale. L'accord de quinte diminuée Si aura la même tendance primaire que l'accord de septième de dominante Sol 7 à se résoudre vers l'accord de tonique Do. Mais écoutons. A noter que l'accord de quinte diminuée se résout de la même manière sur l'accord de tonique en Do mineur. Écoutons. Quel que soit son agencement spatial, qu'il soit dans son état fondamental ou renversé, cet accord conservera sa tendance à se résoudre sur l'accord de tonique. Écoutons et observons ces différentes résolutions. En résumé, il est important de retenir que l'accord de quinte diminuée peut être interprété de prime abord comme un accord de septième de dominante sans sa fondamentale. Cet usage contextuel tel que nous venons de vous le présenter est extrêmement répandu et courant dans le langage harmonique.
Nous voilà prêts à présent pour vous présenter l'accord de septième diminué. Si nous vous parlons de ces deux accords à la suite, c'est qu'ils présentent en fait de nombreuses parentés et similitudes. L'accord de septième diminué de Do est un accord composé de quatre notes. Do, Mi bémol, Sol bémol et La. Chacune de ces notes sont à une distance identique l'une de l'autre, d'un ton et demi, qui correspond à chaque fois, comme pour l'accord de quinte diminuée, à un intervalle de tierce mineure. Comme vous le voyez dans le cycle chromatique, cet accord a la particularité géométrique de prendre la forme d'un carré, ce qui va rendre sa structure plus facilement mémorisable. Comme il y a 12 notes, il existe en fait 12 accords diminués possibles, mais de fait de leur nature symétrique, il n'existe en fait que 3 groupes d'accords diminués possibles. Ainsi, l'accord de septième diminué de Do peut être considéré de fait comme le renversement spatial de l'accord diminué de Mi bémol, ou bien de l'accord diminué de Sol bémol, ou encore de l'accord diminué de La. En effet, tous ces quatre accords sont constitués exactement des mêmes notes. De même, si nous montons d'un demi-ton, l'accord de septième diminué de Ré bémol peut être considéré de fait comme le renversement spatial de l'accord de septième diminué de Mi, ou de l'accord de septième diminué de Sol, ou encore de l'accord de septième diminué de Si bémol. Et enfin, si nous montons à nouveau d'un demi-ton, l'accord de septième diminué de Ré peut être considéré de fait comme le renversement spatial de l'accord de septième diminué de Fa, ou de l'accord de septième diminué de La bémol, ou encore de l'accord de septième diminué de Si. Nous pouvons observer que l'accord de septième diminué de Si intègre dans sa structure l'accord de quinte diminué. Ce qu'il différencie, c'est l'ajout ici du La bémol, note qui se trouve être extérieure à la gamme majeure de Do, et qui vient apporter une tension supplémentaire. Écoutons. Ainsi, dans le contexte de Do majeur, l'accord de septième diminué de Si peut être vu comme une forme d'extension plus complexe de l'accord de septième de dominante Sol7. Le La bémol est considéré comme la neuvième bémol de Sol7. Ainsi, et par la présence du triton Fa Si, l'accord de septième diminué de Si aura pour fonction primaire de se résoudre sur l'accord de tonique Do. Que l'on se trouve dans un contexte majeur, écoutons. Ou que l'on soit dans un contexte mineur. Écoutons. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux accords situés sur le degré 7 ont de par leur structure similaire une grande proximité avec l'accord de septième de dominante situé sur le cinquième degré, tant et si bien qu'on peut les assimiler de prime abord à la fonction tonale de cet accord, qui est de se résoudre vers l'accord de tonique Do. Comme vous pouvez vous en douter, au-delà de cette connaissance analytique, il va être crucial de développer votre perception auditive à reconnaître le potentiel dynamique d'un accord suivant le contexte tonal où il se trouve. Il s'agit d'ailleurs d'un des objectifs majeurs de notre programme Méludia. D'ici là, vous pouvez aimer et commenter cette vidéo. Pensez à vous abonner et à rendre visite à notre plateforme Méludia. Et encore merci pour votre soutien.